Alors, je vais ouvrir nos travaux. Je salue la communauté diverse. Il y a à la fois des professeurs, des chercheurs, des italianistes, des philosophes. Et on va ajouter à tout cela des Russes, des Italiens, des physiciens. C'est un grand moment interdisciplinaire que nous engageons aujourd'hui. L'enjeu, on va le dire tout de suite, il est lié à ce petit livre que bien peu d'entre vous ont lu. Je lis le titre, son auteur s'appelle Pavel Florensky, « Les imaginaires en géométrie ». Cet ouvrage date de 1922 et a été pris dans des mouvements à la fois calamiteux et immenses, qui sont ceux de la Révolution russe. Et dans ce petit livre, il y a non seulement une conception des mathématiques et de la géométrie qui est développée, mais il y a, et c'est le point qui nous réunit aujourd'hui, une mention de Dante. Le problème, c'est qu'il l'a fait avec une telle acuité, une telle précision, et d'une façon si inspirée, qu'il a sans doute créé un événement irréversible dans la dantologie. Et ça, personne ne s'en est aperçu encore. Et le colloque aujourd'hui a pour vocation d'attirer l'attention à la fois des mathématiciens, des géomètres, et des dantologues sur le caractère irréversible de la découverte qui est faite dans ce livre. Cette découverte a un côté absolument sanglant et tragique, car l'homme qui a fait ça, mathématicien russe de l'école de Moscou, qui a travaillé pour le régime soviétique, en particulier il a travaillé à l'électrification de la Russie, a été assassiné par Staline. Il a été assassiné par Staline parce qu'il était par ailleurs prêtre orthodoxe, et que de pousser aussi loin la compétence dans les sciences, aussi loin la compétence en physique, en particulier dans la théorie des isolants, permettant la position des câbles de l'électrification de la Russie, que cet homme est devenu dangereux, menaçant, parce qu'il gardait non seulement des convictions de prêtre orthodoxe, mais surtout parce qu'il était un théologien hors pair, et qu'il a écrit une théologie orthodoxe, qu'on appelle, dont le titre est « La colonne et le fondement ». L'enjeu de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de nous poser la question suivante. Peut-on appréhender l'espace dans lequel se déploie le pèlerinage souterrain de Dante dans la Divine Comédie ? Peut-on le représenter dans un espace seulement euclidien, c'est-à-dire tridimensionnel, où la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, où il faut ouvrir des espaces donc non euclidiens, à commencer par la position de ce triangle sur une sphère, où la somme des angles n'est plus égale à 180 degrés. Cette proposition, peut-il y avoir une lecture de Dante qui renouvellerait l'abord de Dante parce qu'elle ne serait plus dans un espace euclidien? Voilà ce que pose la question qui est portée par ce petit livre. Alors, la journée se présente ainsi. Je fais quelques propositions théoriques. Je suis secondé par Thibaut Bernard Ellis, qui est un artiste des Beaux-Arts de Grenoble et qui a lui-même développé une géométrie sur la base de Florensky. Thibaut est mon ami depuis longtemps. On a déjà fait une expérience ensemble à Florence, où il a utilisé les modèles mathématiques de René Thom pour dessiner la Divine Comédie. Et j'espère toujours qu'un jour, on pourra à nouveau présenter cette exposition. Donc, si Dante est supérieur à Ovide, c'est qu'il travaille ses transformations tendues dans des effets de miroir qui referment des cercles concentriques à un axe, au point d'un axe, créant des analogies à tous les niveaux possibles. C'est pourquoi on peut dire que terre et ciel ont mis la main au poème, suivant des formes géométriques immuables et célestes incarnées dans des formations et transformations terrestres de la matière. Dans transformation, on peut dire que le ciel fournit le trans et la terre les formations.
Je crois que la Divine Comédie peut, dans sa forme la plus archaïque, être un miroir à 360 degrés. Symétrie que l'on retrouve jusque dans la structure des rimes de la terza rima, identique au parcours de Dante, spirale autour d'un axe formant des symétries. Je vais tenter de vous expliquer les bases d'un schéma ayant pour but de synthétiser en un regard les géométries mises en place par Dante, ce qui convoque ici Aristote et la Bible, mais aussi René Guénon, et par sa lecture de Dante, les ponts vers les métaphysiques traditionnelles de toute l'humanité. Enfin, la lecture de Dante par Florence Key épouse parfaitement ce schéma et finira par convoquer la physique moderne et les géométries qu'elle croise. Pour expliquer cela, il faut partir au plus près de la surface du miroir. Pour expliquer cela, il faut partir de l'arbre de vie, au pied duquel coulent les fleuves qui le reflètent à l'envers dans sa surface. Mais pour celui qui regarde de l'autre côté de la rive, il voit cet arbre comme planté par le haut, enraciné au ciel. Supposons maintenant, comme dans la caverne de Platon, que l'arbre vrai soit caché à la vue et qu'on ne voit qu'un reflet aplati des choses. Celui qui revient de l'extérieur de la caverne ou de l'autre côté du ruban de Möbius, celui-là se fait tuer parce qu'il a dit que le monde et la géométrie étaient courbes et non plates, alors qu'usuellement le sol est plat et que la vue en perspective se bâtit de lignes droites. Or cet arbre inversé, Dante le voit deux fois lors de l'ascension du purgatoire. On retrouvera son symbole également chez Platon, dans l'hindouisme et dans le folklore et jusqu'en Sibérie. Le tronc de l'arbre est l'axe du monde autour duquel les symétries vont opérer. Les racines de l'arbre sont le principe des choses et les feuilles sa manifestation dans le réel. Puisque le principe est invisible, les racines sont cachées sous la terre au niveau de l'eau. La surface de l'eau est l'émanation du principe même puisque l'origine est l'alliage de tous les reflets. C'est par l'axe du monde qu'on s'élève. Les ramures en étage du sapin forment une échelle. Par lui, on monte jusqu'à la racine des choses. Vous remarquerez que les racines de tous les arbres sont toujours tournées vers l'eau du principe afin de puiser sa sève et la manifester dans les formes matérielles. Ainsi, la matière exprime les formes comme un verbe, forme qui lui donne un sens à la fois sémantique et directionnel. Mais le monde manifeste brise les symétries par déformation du reflet dans la surface de l'eau en mouvement, et la signification ne se tire pas de formes fixes. Disons que les formes fixes sont plutôt les attracteurs de transformation qui constituent comme des phrases qu'il faut apprendre à lire puis à écrire par géométrie. C'est ce que nous allons tenter de faire ici. Que ce soit dans l'intrication des vers de Dante et les transformations analogues qu'il y subit, ou que ce soit finalement dans la propriété de l'eau à refléter le ciel, dans la verticalité des arbres, dans les sphères célestes et la rotondité des planètes, que ce soit dans les arcs-en-ciel qui divisent l'unité imperceptible de la lumière, que ce soit dans la circularité du nid des oiseaux. Nous allons tenter de lier en un volume tout ce qui par le monde s'effeuille en substance et accident, et bien que notre dire ne pourra qu'énumérer les reflets pris dans le vent et les bifurcations en branches, il permettra d'en tracer la forme universelle, le continu sous les discontinuités, de faire que le langage humain coïncide au langage divin par rigueur autant que par passion. Ainsi, lorsque Dante arrive au paradis terrestre et franchit la surface des reflets, un renversement se produit. Si on suit la géométrie en place, il est remis dans le sens droit qui était perdu au début du poème, et pas seulement du poème puisqu'il est perdu dès le début de la Bible. L'homme est expulsé du paradis terrestre et chute. Le trajet de Dante est donc de remonter à contre-courant la chute d'Adam, comme un poisson remonte une montagne jusqu'à la source de ses torrents. La perfection des symétries est respectée car de l'eau est aux racines, tombe et coule le long du tronc, telle une rosée tombée du ciel. C'est comme si l'eau du paradis, reflétant l'image de l'arbre, coulait dans son image et en répandait l'influence céleste jusque dans le monde sensible. C'est par la pénétration de l'eau dans son propre reflet que l'eau arrive jusqu'en bas, comme si la surface de l'eau imbibait son image, se reflétait elle-même dans le pli d'une onde. C'est dire enfin que cette eau coule le long du tronc comme une sève qui monte dans l'arbre de vie. Voilà l'analogie. On remarquera que même les arbres de notre hémisphère, ceux de la forêt obscure, sont dans la terre les racines vers le ciel du paradis. Ce n'est que par habitude d'être inversé que l'homme voit les arbres qui l'entourent droit. En effet, depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme n'est qu'un reflet à l'envers dans l'eau du principe. Cette chute est similaire au mythe de la séparation de l'androgyne primordiale en homme et femme. C'est pour cette raison que la remise à l'endroit est un retour à cet androgyne, expliquant le rôle de Béatrice comme initiatrice de Dante permettant de réunifier la séparation. Expliquant que Béatrice femme se fasse appeler Adam par ses serviteurs, signifiant son atteinte de l'état édénique, symbolisée dans la cabale juive par l'union d'Adam et Lilith, née de l'argile premier,
et non du côté déséquilibré d'un masculin originairement briseur de symétrie. Pour le dire encore autrement, le Tao, la voie qui est un axe, se situe entre le yin et le yang. Partant de là, il y a nécessité de s'initier, c'est-à-dire de subir une série de retournements et de déformations afin de retrouver le sens droit de la dimension édénique. C'est pourquoi Dante descend sous la terre. Et c'est à son point central, au passage du sexe de Lucifer, qu'un premier retournement a lieu. Comme pour l'arbre, Lucifer est une échelle, mais déracinée du ciel, jusqu'à ses pieds de l'eau pareillement coule, mais à son torse tout est gelé. Ce retournement aura aussi sa symétrie jusqu'au ciel, où la forme des trois têtes de Lucifer se reformera par jonction des triples cercles de la Trinité, comme ici. Il y a trois retournements dans la Commedia. Premier retournement de sens en enfer, deuxième retournement dimensionnel au purgatoire, troisième retournement de l'intérieur au paradis. Dante ne se contente pas du modèle et de son reflet, il implique, comme dans ses rimes, toujours l'axe de symétrie comme moment qui lui-même reforme des symétries jusqu'au fractal. Mais revenons sur Terre. Si on trace la Terre avec l'équateur, puis qu'on trace le trajet de Dante, on obtient le symbole alchimique du minéral, c'est-à-dire la force de gravité, l'attraction du mal, qu'il faut expérimenter jusqu'à l'épuiser. Puis, si on continue au-delà, on obtient le symbole alchimique du végétal, où la force de pesanteur se retourne en poussée, propre à l'ascension végétale vers la lumière du ciel, qui sera l'ascension de la montagne qui redresse. Poursuivons les symétries. Nous avons donc Jérusalem terrestre avec le Christ douloureux en bas de l'axe, puis le Christ glorieux, symétrique à Saint-Pierre, qui s'est fait crucifier la tête en bas, disant « Si vous ne faites pas gauche ce qui est droit, et droit ce qui est gauche, et inférieur ce qui est supérieur, et antérieur ce qui est postérieur, vous ne connaîtrez pas le royaume. » C'est donc comme si l'initié, à l'opposé des mœurs humains, faisait tout à l'envers pour anticiper l'effet de miroir, jusqu'à en trouver la surface et entrer dedans. Pour la compréhension, j'ai placé un axe dimensionnel dans lequel l'axe des Z est retourné vers l'intérieur. C'est comme si tout l'espace-temps sensible était réduit à deux dimensions, puisque n'étant qu'un reflet sur la surface du fleuve, ce qui permet l'ajout d'une quatrième dimension. En effet, dans un espace tridimensionnel, nous avons six directions apparentes, mais une septième existe, qui est dirigée vers l'intérieur, étant le point qui unit les axes dimensionnels, origine des dimensions. Ainsi, tout le paradis céleste se passe dans cette dimension verticale du point. Nous sommes entrés dans la racine, dans le point de contact avec l'eau, et ce jusqu'à ce que Dante rencontre le miroir ultime de l'œuf, c'est-à-dire qu'il rencontre son propre visage dans la Trinité. Il voit d'abord ses yeux dans ceux de Dieu, en se retournant sur lui-même comme un gant, il devient par fusion les yeux de Dieu, il devient le regard de l'amour qui lie les choses entre elles et meut les étoiles, c'est-à-dire il devient le point qui miroite à 360 degrés, l'axe de symétrie enroulé sur lui-même. Mais continuons, plaçons en symétrie les racines de l'arbre le long de l'axe X du fleuve, on obtient alors le symbole de l'analogie, soit deux flèches qui s'opposent, on trouve de ce fait la loi d'Hermès Trismégis. Tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. On peut placer le yin côté terre et le yang côté ciel. Toutefois, la dimension réellement intérieure, c'est le Tao, c'est-à-dire le vide se situant entre yin et yang, soit le point entre les deux flèches de l'analogie qu'on tire ici à la verticale pour en extraire comme les qualités différentes. Béatrice prévient Dante dès le début du paradis céleste que tout ce qu'il voit, les planètes, etc., n'est que symbolique et que tout a lieu hors de l'espace et du temps. En fait, dans un point qui a pour qualité d'être le seul objet géométrique à n'avoir aucune dimension. Tout a lieu dans l'invisible, dans la racine des choses. Les sept sphères des planètes sont comme la lumière divisée d'un arc-en-ciel qui en fait n'est qu'une. Béatrice conclut « Il faut parler ainsi à votre esprit, parce qu'il apprend du seul sensible, ce qui le rend ensuite digne d'intellect. C'est pourquoi l'écriture condescend à votre faculté et donne pied et main à Dieu entendant autre chose. Se rendre digne d'intellect est précisément la tâche de ce schéma, conjuguant les symboles les plus mythiques avec leur géométrie rigoureuse qui est le stade le plus élevé de la compréhension. » À présent, nous allons faire un détour par l'œuvre de Pavel Floronsky, donc le mathématicien et prêtre russe, qui procède via une interprétation des nombres imaginaires en géométrie à un dédoublement de l'espace. Son œuvre, dans sa diversité, comporte une unité graphique et conceptuelle qui n'a peut-être jamais été soulignée. En effet, de la couverture du livre des imaginaires en géométrie qu'on voit ici, en passant par les schémas à l'intérieur du livre qui accompagnent ces interprétations mathématiques, et jusqu'à ces dessins, règne une unique manière de voir et de dessiner. Floronsky représentera systématiquement un dédoublement du plan, avec une face réelle aux éléments pleins en noir, ici à gauche, et une face imaginaire inversée, ici à droite, où les lettres s'écrivent en miroir comme le O blanc, où les éléments blancs ne sont plus que signalés par leurs contours et leurs trajectoires dessinées par des pointillés, comme sur ce plan de hauteur nulle devenu double.
La notion d'imaginaire dépend comme en relativité de la position de l'observateur par rapport au plan. Ainsi, l'aire d'un triangle peut devenir négative par un retournement du triangle à l'aide d'une troisième dimension. Enfin, voici un dessin de Florensky où on retrouvera donc les pointillés dans le passage de l'autre côté du plan, sur le retournement d'un homme dans sa dimension imaginaire. Ce qui est remarquable ici, c'est la présence du blanc dans la tête de l'homme, c'est-à-dire portant de manière irréductible l'imaginaire dans la réalité. Florensky fait vibrer le sens du mot imaginaire, ne le limitant pas à son aspect mathématique ni à son aspect philosophique. Donc je vais maintenant vous lire un passage de l'Iconostase, donc c'est un livre sur l'histoire de l'art de Florensky, qui donne à tout ça une portée plus vaste. L'un de mes proches, qui s'attristait à la pensée de ses parents et amis défunts, se vit un jour en rêve marchant dans un cimetière. L'autre monde lui parut sombre et sinistre, mais les morts lui expliquèrent combien cette idée était fausse. Juste sous la surface de la terre pousse, mais renversée, les racines en l'air et les feuilles en bas, la même herbe verte et vigoureuse, celle du cimetière, et même bien plus verte et plus belle, les mêmes arbres faits en bas et les racines en l'air eux aussi, les mêmes oiseaux chantent, l'azur est aussi pur et le même soleil brille, et tout cela est plus radieux et plus beau de ce côté-ci. Est-ce que dans ce monde inversé, dans ce reflet ontologique du monde, nous ne reconnaissons pas le domaine de l'imaginaire, bien que cet imaginaire soit, pour ceux qui ont opéré ce retournement en parvenant jusqu'au centre spirituel du monde, quelque chose d'authentiquement réel, aussi réel qu'eux-mêmes? Ce sont les visages et les formes contemplées spirituelles des choses, perçues par ceux qui ont vu eux-mêmes leur image originelle, l'image de Dieu en grec « idée ». Donc passage implicite sur les arbres inversés autant que sur le visage de Dante dans la Trinité en tant qu'icône. Chaque image a une position deux fois différente, dit Florensky, et ce sera par exemple les deux côtés de la face unique du ruban de Möbius, permettant un dédoublement de l'espace entre les réels et les imaginaires, tout en fournissant la continuité de cette discontinuité qui permettra chez Dante l'analogie et ses reflets constants. Florensky remarque que Dante fait son voyage et revient à Florence en avançant tout le temps sans se retourner, dit mathématiquement « la surface qu'il suit est unilatérale et non euclidienne, et c'est elle qui se retourne », préfigurant ainsi des aspects de la relativité d'Einstein. J'ai donc replacé le trajet initiatique dans cette perspective. Nous avons, par cet arbre sombre, le début du voyage dans la forêt obscure, puis le retournement au niveau de Lucifer, suit l'ascension du purgatoire où l'arbre inversé se réincarne dans cette ombre de l'arbre de vie, arbre qui, placé dans sa dimension principielle, a regagné son volume et ses couleurs. Enfin, symétrie du diable, la Trinité. Ici, Dante subit le dernier retournement, retrouve la surface réelle, revient à Florence, écrit la Divine Comédie, où l'on pourra lire au premier chant du paradis « Soudain, le jour semblait s'être ajouté au jour, comme si le Tout-Puissant avait orné le ciel d'un deuxième soleil. » Cela signifie le passage dans la dimension imaginaire, à l'intérieur du ruban, ce qui veut dire que le réel est comme une ombre projetée de la lumière du principe et des formes du paradis. Les arbres sont l'ombre de l'arbre de vie situé au même endroit sur l'autre face du réel, éclairé de l'intérieur par un soleil densifié. Ici, on pourrait entendre résonner la théorie des cordes qui réduit l'espace-temps visible à une tranche qui n'est que l'ombre d'un certain nombre de dimensions mathématiques invisibles repliées sur elles-mêmes. Le réel en noir est en deux dimensions et par l'ajout d'une troisième, le réel s'actualise et se déforme comme une ombre tantôt grimaçante, tantôt raccourcie par la verticalité du principe. On sera sensible au fait qu'on retourne littéralement la caverne de Platon pour la rendre à Aristote et faire sourdre le ciel de l'intérieur de la matière. Le mathématicien René Thom, dans son esquisse d'une sémiophysique, dit « On essaie de reconstruire les êtres dont on voit les ombres, reconstituer un corps tridimensionnel à partir de son contour apparent, telle est la tâche herméneutique par excellence. » Rajoutons que dans le symbolisme, les cycles temporels sont intrinsèquement liés à l'espace, ce qui n'est pas sans rappeler l'espace-temps. Pour faire bref, nous avons les quatre âges de l'humanité comme ceci. Nous avons l'Orient, l'or et l'Occident, l'oxydation, qui forment le mouvement de déclin du soleil et du déclin de l'humanité en traçant l'Hespérie, avec le vieillard de Crète qui pleure en regardant Rome. Dante dit se trouver au milieu de l'âge de fer, ce qui amène à un déluge et une montée des eaux vers 2600 avec l'Apocalypse et la montée de la Jérusalem céleste, compensée par la descente de Jérusalem terrestre en début de cycle. La Jérusalem céleste, par sa forme, opère un passage du cercle au carré, quadrature du cercle symbolisant l'achèvement de l'initiation, la cristallisation des possibilités du cycle. Ici, nous allons nous arrêter sur le retournement de Dante dans la Trinité.
Trinité qui serait selon moi comme la symétrie des jeûneurs du purgatoire dont le visage est si maigre qu'on peut lire directement dans leur forme homo, homme en italien, mot écrit par l'arcade des deux yeux et l'os du nez. Or justement la Trinité, lorsqu'on la trace, forme par jonction des cercles les yeux et le nez d'un visage que Dante dit apercevoir. Mais on sait bien que voir Dieu se fait par un troisième œil frontal, et si Dante voit son visage, c'est un visage idéal, purgé de tout aspect fortuit, où tout ce qui dans le visage n'est pas rien que le visage est écarté par l'énergie de l'image de Dieu, qui jaillit malgré l'épaisseur de l'écorce matérielle. Plus que visage, une icône faite de verbe. De plus, le troisième cercle, dont le gauche est le soleil et le droit la lune, rentre en éclipse avec le troisième pour n'en former plus qu'un. Dans le périmètre carré du M, on obtient ainsi la quadrature du cercle, soit l'expire de Dante hors du principe. Rajoutons que Dante dit du troisième cercle qu'il respire, c'est-à-dire que par lui, on trace le nez en accédant à la vérité des cycles. En effet, pour résumer tout ce schéma en une formule simple, on dira que le tout fonctionne comme une respiration, du principe au manifeste jusqu'au principe. Toute expiration est une expansion qui, à l'échelle individuelle comme à l'échelle humaine, doit entraîner une inspiration, soit une rétractation et un recentrement. Que cela prenne la forme d'une initiation ou d'une surpopulation suivie d'un déluge, c'est toujours l'aspiration vers le point afin d'entrer dans un nouveau cycle. Axes eux-mêmes repris par le verbe, symbolisé d'une épée à double tranchant de création et de destruction, permettant de couper l'arbre à la racine pour faire une effraction dans le principe des choses par la parole, ce que nous faisons en ce moment même. Pour finir, nous pouvons placer les éléments de Florensky dans le schéma, soit la surface réelle horizontale et la surface imaginaire verticale fracturée par l'eau du fleuve. Florensky dit « Le domaine des imaginaires est réel, concevable, et dans le langage de Dante, il s'appelle l'empiré. La transition de la surface réelle à la surface imaginaire n'est possible que par la fracture de l'espace et le retournement du corps à l'intérieur de lui-même. La longueur du corps à la limite de la terre et du ciel devient égale à zéro, et la masse infinie et son temps observé de côté est infini. » Ce qui correspond à la description d'une singularité en physique, soit dans le sens d'une inspiration comme pour le trou noir, soit dans le sens d'une expiration comme pour le Big Bang. On peut donc tracer la courbure de l'espace-temps au voisinage du point qui fracture l'espace en deux. On remarquera qu'au pied de l'arbre, c'est-à-dire du point, est la fontaine d'enseignement dont la vertu rend éternelle. Ainsi, par analogie, l'effondrement de la gravité au centre des trous noirs, dans laquelle le temps se courbe jusqu'à ne plus couler, en est comme la manifestation mathématique. Point d'ailleurs inatteignable, sauf en l'infini, mais Dante parle précisément d'unir son regard avec la valeur infinie, avant d'en perdre la force, car son corps étant fini, il ne peut se maintenir être Dieu. Alors il faut répéter les paroles de l'amour au début de l'œuvre. Moi, je suis comme le centre du cercle auquel se rapportent semblablement tous les points de la circonférence, mais toi, tu n'es pas ainsi. Ce qui nous amène sur deux schémas. En effet, dans la relativité, l'espace-temps est fini, mais sa limite, Florensky et d'autres la décrivent comme une courbure infinie. Florensky dit qu'à la périphérie, en se serrant jusqu'au zéro, le corps s'effondre, s'écroule, s'abîme au travers de la surface porteuse, l'espace se brise avec une vitesse supérieure à celle de la lumière. Or, cette vitesse est d'une grandeur imaginaire puisque devenant la racine carrée d'un nombre négatif. On a donc, du côté réel, la relativité et la brisure de symétrie, et en l'infini dans le point, c'est-à-dire en Dieu ou dans l'état Big Bang, l'immuabilité. En effet, la singularité du Big Bang à l'instant T0 est un état limite qui précède le temps et l'espace et où la mécanique quantique, pas moins que la relativité, n'ont à s'appliquer. N'est-ce pas justement cet état d'avant le Big Bang que la physique contemporaine, ni la mécanique quantique, ni la relativité n'arrivent à penser précisément parce qu'il n'y a pas de physique dans le point sans dimension, mais uniquement de la métaphysique et de la géométrique qui, à proprement parler, n'existe pas. La relativité se crée dès l'instant où l'idéal se manifeste dans 10⁻¹⁵ cm, mais la relativité est seulement réelle, l'idéal, lui, est immuable. Savoir si c'est effectivement un point sans dimension ou encore le passage par un rebond qui tend à son état limite dans le point, cela n'importe pas et ne relève que de savoir si le manifeste passe entier dans son principe. À tout le moins, le principe est hors du temps et sa manifestation relève immédiatement de la relativité. À tout le moins, comme tente de le penser Florensky, le monde est dédoublé. Voici le second schéma où est représenté le dédoublement de l'espace au voisinage d'une singularité. Dans l'espace réel et pour celui qui le voit de l'extérieur, le corps de celui qui s'en approche, représenté en noir, s'immobilise vers le point, tandis que vécu de l'intérieur par celui qui s'en approche, dont le corps vécu est situé en blanc,
l'espace et le temps se courbent à l'infini, ce qui fracture l'espace euclidien en deux, de sorte que le temps, pour lui, ne s'écoule pas à la même vitesse, et l'espace se courbe si vite que son éloignement est supérieur à la vitesse de la lumière. Alors il voit une infinité de fois l'univers à 360 degrés derrière lui, par image fantôme. Dans l'espace réel, le volume diminue jusqu'au point. Dans l'espace imaginaire, le point devient un axe à l'infini. Sa présence réelle courbe ce qui l'entoure. Donc, réellement, le point n'est jamais atteignable, mais dans l'espace imaginaire, réellement idéal, puisque entièrement mathématique de la courbure, le point est alors atteignable en l'infini. Il est l'unité sans dimension éternelle. Le passage d'un référentiel à l'autre est continu, mais dissocie la cohérence. On reconnaîtra là le principe qui manque, achevant le poème par la quadrature. Par ailleurs, l'entrée dans le principe se fait analogue à l'horizon d'un trou noir, alors que sa manifestation se produit comme un Big Bang ou un hypothétique trou blanc. Mais bien plus, la métaphysique et les mathématiques se manifestent dans la physique, là où à l'inverse la physique nous donne un chemin visible de forme et de transformation pour remonter jusqu'au noyau des choses et leur donner un sens. Chemin que René Thom a appelé sémiophysique, une physique du sens, nommant ces formes des spectres, bords d'un centre obscur. Étendons maintenant cela à une phrase du 4e siècle avant Jésus-Christ du taoïste Chuang Tzu qui dit « Ce point est le pivot de la norme, c'est-à-dire ce point est le pivot des lois physiques, d'où l'on ne voit qu'un infini, qui n'est ni ceci ni cela, c'est-à-dire avant la manifestation, tout voir dans l'unité primordiale non encore différenciée ou d'une distance telle que tout se fond en un, voilà la vraie intelligence. Nous avons là la description exacte d'un trou noir et de ses asymptotes. Cela montre s'il était besoin l'exactitude des métaphysiques et géométries traditionnelles tenant intactes face aux découvertes des sciences. Vous remarquerez qu'on a l'habitude de les opposer par manque de connaissances dans l'un ou l'autre des domaines, ce qui est préjudiciable. Quand une étoile implose par épuisement de son combustible, il n'y a plus de pression et la gravité seule joue. Il arrive que la matière entre alors à l'intérieur de son horizon, sa taille physique est à l'intérieur de son horizon, ce qu'on appelle trou noir. On peut donc imaginer une dimension intérieure au réel, purement mathématique, l'axe I retourné vers son centre, dimension que les trous noirs manifestent localement, bien que ce qu'ils manifestent soit le non-manifeste même. Dans un aspect purement mathématique, cela concorde avec cette remarque de Florensky. Conformément à l'interprétation donnée aux imaginaires, la courbe peut quitter la surface et descendre dans sa profondeur. C'est là que par infinitésimal, Florensky attribue des hauteurs à un plan de hauteur nulle, qualifiant les intentions des courbes. Autrement dit, l'étoile quitte la surface réelle en se retournant sur elle-même et en entrant dans une dimension imaginaire, où sa masse est mise à l'intérieur. Cette dimension invisible s'appuie sur un point de l'espace-temps. Il est le point reliant les axes dimensionnels lui-même, ce qui permet une masse suffisamment dense pour courber l'espace-temps jusqu'à créer une frontière réelle entre le réel et l'imaginaire. On peut concevoir clairement que la courbure atteint le point en l'infini, dans un espace infini parce que mathématique et non manifeste, mais dans l'espace fini réel, l'asymptote ne touche jamais l'axe horizontal, autrement dit la part idéale est irréductible à toute réalité, non l'inverse. On peut avoir de l'idéal pur mais pas de la réalité pure. Quant à descendre sous la surface, c'est exactement le conseil de la Divine Comédie, le trajet de l'initiation en général, descendre et se retourner. Descendre sous la surface de la Terre pour enfin descendre sous la surface de l'espace-temps lui-même, où se situe le paradis céleste. Pour conclure, finissons par ces paroles de Dante s'adressant à Béatrice, « Chère racine qui va si haut », et nous entendons ici l'arbre enraciné au ciel. Donc, chère racine qui va si haut que tel l'esprit terrestre voit ne pas admettre dans un triangle deux obtus, tel tu vois les choses contingentes avant qu'elles soient, en contemplant le point auquel tous les temps sont présents. Ce que j'interprète littéralement par « De même que nous, esprit local, voyons tout de manière euclidienne et manifeste, de même Béatrice voit tout du point de vue d'une courbure maximale qui est la singularité d'un point de type trou noir ou Big Bang. » Car justement, dans cette géométrie elliptique, dont le modèle est la sphère, deux obtus peuvent entrer dans un triangle par courbure. Béatrice voit tout depuis cette courbure primordiale avec autant d'évidence que pour nous la géométrie d'Euclide. Passage en paradis 17, jamais relevé ni par Florensky, ni Halstead, ni Weber, qui pour leur part avaient découvert en paradis 13 une équivalence non euclidienne pour le demi-cercle duquel on tire un triangle. Telle est la prophétie de Dante, 5 siècles avant l'invention de la surface de Riemann et 6 siècles avant l'invention de la géométrie courbe par point carré. Et je vous remercie. Merci. Merci.
Si vous avez des questions, ou ça, c'est chiant. Aucune question, c'est tout simple. Alors, évidemment, le travail de Thibault, je trouve merveilleux, irradiant, est difficile parce que vous pourriez peut-être bien leur montrer où nous sommes aujourd'hui sur votre schéma. Donc là, nous, à Lyon, on est à peu près là. Hein? C'est ça. À peu près là. Le soleil se couche. Et si vous étiez à Brest, vous seriez là. Ou si vous étiez à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous seriez là. Si vous étiez en Inde, vous seriez là. Si vous étiez au bout de l'Inde, au bout du Bengale, vous seriez là. D'accord ? Et ensuite, il n'y a plus qu'à promener votre main pour comprendre que ici, donc, c'est un passage très précis. Tout ce qu'il a dit sur l'arbre, ce n'est pas du tout inventé. C'est un passage très précis où Dante arrive auprès d'un cours d'eau, ce qui est effectivement rappelé ici, le point de bifurcation, c'est la surface du fleuve. Et il s'aperçoit que l'arbre n'est plus dans le bon sens. Alors, là où vous allez être un tout petit peu forcé, il dit simplement qu'au lieu que le sapin soit triangulaire vers le haut, le sapin est triangulaire vers le bas. Vous, vous avez supposé que c'est un arbre complètement inversé, comme s'il s'inversait au sens platonicien. Ça, c'est un tout petit peu plus forcé. Ouais. Est-ce que vous avez une réponse à cette difficulté? Oui. Parce que c'est uniquement la frondaison que Dante voit inversée. Oui, mais il ne parle pas du tout des racines. Oui, le tronc, de toute façon, est vertical. Oui. Mais il ne parle pas du tout des racines. Du coup, ça laisse supposer le symbole de l'arbre inversé. Que, en fait, du coup, dans les interprétations, par exemple, Gustave Doré le représente juste avec les racines en bas, avec, comme ça. Que, par contre, Botticelli et plusieurs autres représentent l'arbre vraiment à l'envers. Ah, si Botticelli l'a fait, alors là, vraiment, là je veux dire que je suis impressionné. Non, mais j'avais pas remarqué que Botticelli l'avait rendu. Si, parce que Botticelli, parce que justement, Gustave Doré est vachement littéral dans ce. Absolument, oui. Donc, du coup, souvent, il loupe tout ce qui est symbolique ou des géométries plus complexes. Oui. Et tandis que Botticelli, quand même, travaille plus. Enfin, plus les symboles et qu'est-ce que ça... Bon, alors, sur le principe de discontinuité qu'il a illustré, donc le principe de discontinuité, hein, ça consiste à rentrer dans l'épaisseur de ce plan qui devient vertical et qui comprend tout le paradis. Alors, j'ai retrouvé donc un passage que j'avais manqué de citer, même si je l'ai bien sûr célébré. Florensky, donc, page 77... dit qu'il y a deux horreurs qu'il faut surmonter si on veut entendre la Divine Comédie. Je vous lis le texte. Hein. Il est temps de faire tomber les deux épouvantes de la pensée. Celui de l'imaginaire, mais c'est pas du tout au sens de Gilbert Durand, de Bachelard, il ne s'agit pas d'un imaginaire matériel, ni d'un imaginaire sans géométrie ou sans logos. Hein. C'est la géométrie, comme l'a dit, la seule façon de construire, de conquérir l'imaginaire. Et il ajoute, et celui de la discontinuité. Donc là, c'est la rupture avec les mythes. Il est temps de s'affranchir de cette aurore imaginarii et de l'aurore discontinuitatis. Et à partir de là, on est conscient qu'il ne peut pas y avoir de théodicée, mais seulement de théosophie. C'est-à-dire que la théodicée, c'est l'expansion du modèle du calcul infinitésimal à toute la phénoménalité, y compris celle du bien et du mal. Et la théosophie, c'est le déploiement au-delà de la question de l'existence, de ce qui advient dans l'épaisseur du plan, quand V2 prend une valeur différente avec C2. C'est l'équation que vous avez écrite. Voilà ce que je pouvais ajouter à votre travail pour essayer de l'éclairer. Alors maintenant, si vous avez besoin d'entrer dans cette extraordinaire fable. Oui, c'est ça. C'était juste pour une explication sur le titre que vous avez choisi. Peut-être que ça mérite un peu plus de... L'amour comme un cercle. L'amour comme un cercle, oui. C'était parce que... Je l'ai cité, d'ailleurs. Il l'a cité. Parce que ce qui était difficile, c'est qu'il citait Dante comme s'il était Dante et il ne donnait pas les guillemets. il y a un moment dans la Vita Nova, donc la première œuvre de Dante, où il rencontre... l'amour vient auprès de lui alors qu'il pleure dans sa chambre. Et l'amour a un discours que je vous recommande de méditer. L'amour dit... je suis comme le cercle dont tous les points sont égaux par rapport au centre, et toi, tu n'es pas encore ainsi. Et
la légitimité de notre enquête vient du fait que cette phrase extraordinaire de l'amour n'est pas simplement un passage parmi d'autres de la Vita Nuova, mais va accompagner toute l'œuvre de Dante par l'intersection de d'abord la quadrature du cercle, qui devient le problème principal qui achève le paradis, et par l'intersection des trois cercles. Là où Thibaut a vu une chose que moi je n'avais jamais vue, et c'est absolument extraordinaire, moi j'avais effectivement supposé que les trois cercles qui s'entrecroisent font le visage humain. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est que le diable lui-même avait cette structure, puisqu'il a trois têtes, et que ces trois têtes sont exactement le même type d'intersection. Les yeux et le nez, en fait. Et ce que Thibaut a vu que moi je n'avais pas vu, c'est que c'est une lecture possible de Homo, puisque Dante dit, quand on voit un homme qui a beaucoup maigri, quand on voit une femme, en l'occurrence dans la Divine Comédie, qui a subi un siège et qui va mourir de faim pendant ce siège, on ne voit plus que les deux orbites, O, et la courbure du nez, M. Et donc, réduit à sa plus simple expression squelettique, un homme est un homo. Et donc, comme le dit très justement Thibaut, ces deux O, si on les entrecroise et qu'on les soumet à la règle du cercle, on voit apparaître le M. En rajoutant le troisième cercle. Le troisième et si on ajoute le troisième cercle, on a à la fois le diable et la Trinité. Donc le diable et la Trinité sont bien le produit de l'homo en tant qu'il devient se confrontant à la verticalité du plan dans l'imaginaire et la discontinuité, ce que tu as dit parfaitement. Oui, j'aurais juste deux questions. Plus simple et compliquée. La simple concerne la question. Tu parles fort. La première question, qui est la plus simple, concerne l'idée d'intuition-discours chez Ferenczi, ouais. Puisque l'intuition est évidemment ici une intuition intellectuelle et pas une intuition liée à l'affectivité dans l'esthétique en son entier. Absolument, oui. Et le discours relève l'histoire de la raison. Oui. Donc, est-ce que c'est le moyen de finalement penser que c'est non pas la philosophie négative de Schelling qui est présupposée, pas la philosophie positive, mais la négative qui est présupposée, puisque ça consisterait à faire de l'intuition intellectuelle du jeune Schelling le présupposé du travail de la raison chez Hegel, au sens où on pourrait dire que le premier chant de la Divine Comédie n'est pas le premier chant de l'enfer, mais le dernier chant du paradis, à cause du fulgore et de l'éclat qui vient saisir Dante, et qu'au fond, il faudrait renverser l'ordre des lectures. Si c'est ça ta question simple... Oui, c'est compliqué. Non, mais ça, c'est effectivement... Il y a je saisis deux points... Que ce soit sur la base des deux philosophies de Schelling, c'est incontestable. On vous revoit un jour. Que sur la base des deux philosophies de Schelling, c'est absolument certain. Et que on puisse dire que la philosophie euclidienne est la philosophie positive et que la philosophie négative est la philosophie non euclidienne, c'est une très bonne lecture. Et c'est ce qui montre que, à mon sens, Florensky est beaucoup plus profond que Schelling, parce que Schelling, il a quand même un telos, c'est-à-dire qu'il va du négatif au positif. Tandis que ce que tu proposes, c'est de le lire à l'envers, et je pense que c'est pour ça qu'il dit, je reprends mes concepts à Solovyov, ton Solovyov, lui, il est vraiment un Schellinger reconnu, mais je les transforme. Et effectivement, on pourrait dire que c'est par retournement. Et donc, moi, je t'ai toujours enseigné, effectivement, que la vraie lecture de la Divine Comédie n'était pas de l'enfer jusqu'au paradis, mais du paradis jusqu'à l'enfer. Pourquoi j'ai soutenu ça? Pour effectivement, c'est ce que dit très bien Schelling, Florensky, il dit, les modèles euclidiens n'expliquent pas pourquoi c'est Dante qui écrit la Divine Comédie, alors qu'il est revenu en enfer. Il est revenu à Florence. Oui, ben c'est pareil. Il est revenu à Florence. Bon, il n'est pas revenu à Florence, en réalité, il est revenu à Ravenne. Mais donc, à Ravenne, c'est fait la courbure de l'espace. Donc, tu as parfaitement raison de dire que c'est l'éclair qui conditionne la courbure de l'espace. Tu as parfaitement raison. Le modèle que propose Florensky est, on peut dire, la face que ne verront jamais les Schellingiens professionnels qui ont un gros télos qui consiste à faire de la suivi de la mythologie et puis à décrire des formes de sens émergentes dans l'histoire.
que ce soit marqué, marqué au mieux, au fond, il va trouver un ésotérisme de Schelling. Pierre Baron, Alexandre Arouf, enfin, toute l'école schellingienne française. Bon. Donc, je suis d'accord que la lecture à rebrousse-poil est parfaitement fondée. Il y a une chose qu'on pourrait d'ailleurs ajouter, que tu disais implicitement, tu dois absolument lire les trois syllogismes de Hegel, qui sont trois cercles, et qui proposent des lectures exactement semblables pour l'intégralité du système de Hegel. Donc, ça, si moi j'ai toujours proposé de lire la famille d'esprit aussi à l'envers, de toute façon, c'était pour mettre au point le contenu du troisième syllogisme. Bon, donc ça c'était parfaitement là. Alors ton autre question c'est quoi? Alors, c'est la plus compliquée. Parce que dans mes jeunes recherches, j'ai trouvé deux tests centraux sur les retournements chez Dante. Et effectivement, le test de Florenzi et le test de Jean Tantins, le premier livre sur Dante s'appelle Dante l'Apothéose, où effectivement Tantins reprend exactement tous ces aspects, à savoir la réciprocité des trois figures de Lucifer, de Satan d'ailleurs, les trois cercles de la divinité. Ah ça, Tantins l'avait vu. Bien sûr. Sauf qu'il montre que le retournement est il reste dans un espace euclidien en pensant que le retournement est le seul moyen de vaincre le principe d'inertie et de l'apesanteur. Et ça, ceci m'amène donc à mes deux remarques. La première, c'est qu'il il montre qu'on ne peut pas voir chez Dante les cercles du paradis selon exactement ce schéma de l'inférieur et du supérieur, puisque ça mettrait trop en jeu un débat entre l'orthodoxie et le catholicisme, puisque voir au fond ce n'est pas le filioque. Et il lui oppose un autre aspect qui est la lecture de la Trinité à partir du livre des figures de Joachim de Flore, ou du pseudo Joachim de Flore, en n'insistant non plus sur un problème lié au retournement de la géométrie, mais au retournement des lettres, puisque c'est le passage où les trois cercles présentés linéairement, mais avec la discontinuité de leur point de jonction, ne forme plus simplement une figure physique, mais forme une figure symbolique qui est liée au tétragramme divin ou à sa reprise sous le rapport entre le I et le E. Tu fais allusion à la question du mot comédia, mais on n'a rien pour écrire ici. Oui, oui. Mais justement. Parce qu'il reprend le modèle du mot comédia, parce que toi, tu as le même problème, c'est que tu fais C-O. Ouais. Tu as mais déjà, oui, bon, ça, tu connais ce schéma-là. Et le M. Qui ouais, reprend oui, homo, donc là, comédia, c'est exactement comme ta homo, et après, et dia, la ouais, divinité, bien. Féminine, évidemment, Béatrice, donc ça fait como et Béatrice, donc homo et Béatrice, ouais. Voilà. Et alors, qu'est-ce que oui, tu es un génie. Tiens. Donc, je l'avais mis au début du texte. Mo et dia, donc ça c'est Rossetti qui a inventé cette théorie-là, hein. Donc, si vous faites O, cache, éclipse, donc, ça c'est comme un opercule, hein, et ça, voilà, M, O. Et là, à ce moment-là, nous avons 1, 2 et 3, c'est-à-dire cette figure-là que tu as dessinée. Et la déesse. Dia, la déesse. Alors, c'est ça qui fait Tantins. Il insiste sur un autre point qui est dans le second livre sur Dante, ouais. Sur le passage de Homo à la fleur de lys et à l'aigle. Ah oui, il y a ça, oui. Ça, tu n'en es pas servi de ça, de la fleur de lys. Non. Ouais. Et surtout, il insiste sur le fait que Dante, après, reprend l'idée de parole interrompue. Exactement ouais. Dans ce même champ, c'est pas exactement la parole tonique du parfum neuf. Mais c'est une passage qu'on a fait ensemble sur Virgile. Oui, mais justement. Il y a un trou effectivement dans le texte. Non, il y a un trou dans oui, le texte. Oui, mais Dante le reprend au paradis, puisqu'il reparle de paroles qui se brisent, ouais. Justement à propos de ce fameux jeu sur OMO et sur l'aigle. Oui, parce que dans la Divine Comédie, vous avez la phrase dans le ciel, il apparaît des âmes qui écrivent des paroles. Et il est écrit d'iniquité
particule, justitiam. Et le M qui est là, donc le même que celui-là et que celui de Homo, du nez, hein, le M qui est là, se transforme, alors, aide-moi Cécile, en lisse. En aigle. Voilà, d'abord, il y a quelque chose qui. Voilà. Une tête. Il y a une tête qui surgit là, et. J'ai pas tout à fait le texte. Ça fait le lisse, de toute façon. Voilà, ça fait le lisse, et ça fait aussi. Un tour de chrisme qui vient, c'est l'Empire, l'Empire et le Pape. Donc monarchie, voilà, monarchie, voilà, merci. Voilà, donc c'est à ça qu'on est en train de faire allusion. Et alors, donc il fait quoi avec ça alors? Il insiste surtout sur l'importance des Judéos. C'est une autre intervention qu'on n'a pas faite. Excuse-moi, mais c'est comme si, on prenait juste une Tu veux dire quelque chose? Oui, non, mais c'est pour le temps. Une question. Ah oui, 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 on va être en retard. C'est ça que tu veux dire? Oui, 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 oui. Sinon, on n'a plus le temps. Mais de toute façon, on est retenu qu'à 13h. Non, j'y pense. Bon. C'est juste pour La règle. Pour la règle. Tu veux conclure? Non, non, c'était simplement voilà le fait que je crois que Thibaut trouve exactement le point de conciliation entre le passage, enfin le texte de Florenzi et la manière dont Quentin se redéploie. Merci. Là, voilà. Dans un espace. Voilà. Je vous lis ce passage capital. Rappelons pour commencer l'ossature même de la cosmologie de Dante. Il est d'autant plus indispensable de le faire que l'image suivante est généralement donnée dans les commentaires sur la Divine Comédie, dans la tradition justement de Manetti et de Brunelleschi. La sphère terrestre est entourée par les sphères des corps célestes, par le ciel des étoiles immobiles, par le ciel de cristal, et enfin par l'Empyré, et le chemin parcouru par Dante en sortant du sein de la Terre suit le tracé d'une ligne brisée qui passe en spirale par les sphères concentriques et se courbe à 180 degrés vers le zénith de Sion. Et là, la phrase clé change le destin de la dentologie, à mon sens. Mais ce dessin, qu'on retrouve par exemple dans les illustrations aussi de Botticelli, hein, mais ce dessin ne correspond ni à la narration de Dante, ni au fondement de sa cosmologie. Le tableau de cet univers ne peut pas être représenté par la géométrie d'Euclide. Donc vous voyez, cet homme, ce russe, qui ne semble avoir aucune vocation à lire particulièrement Dante, par cette seule phrase, fait pivoter l'intégralité d'une lecture euclidienne de l'espace dantologique. Le tableau de cet univers, donc, ne peut pas être représenté par la géométrie d'Euclide, de même que la métaphysique de Dante, autre phrase fulgurante qui est difficile à bien comprendre et que je veux souligner, donc de même que la métaphysique de Dante est incommensurable à la philosophie de Kant. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Bien sûr, c'est le néo-kantisme des savants de cette époque. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il veut dire seulement. Il faut que vous sachiez que des plongées vers des géométries non euclidiennes, il y en avait déjà chez Leibniz. Et que Kant a mis un terme à ce travail quand il a défini la géométrie comme construction de concepts. Car un concept qui est construit dans un espace. Cet espace, c'est l'espace de l'esthétique transcendantale. Or, l'esthétique transcendantale, les intuitions pures de l'espace et du temps sont euclidiennes. Donc, Kant a rendu, tant qu'on est kantien, c'est le problème crucial du kantisme, tant qu'on est kantien, on ne peut pas proposer une géométrie non euclidienne, parce que le concept géométrique se construit dans les intuitions pures. Si Gilson, si Barbie, là je cite des gens qui ont fait des grands commentaires de Dante, même Pézard, ne peuvent pas opérer la révolution qui est programmée ici par Florenzi, c'est parce qu'ils sont kantiens, c'est-à-dire non seulement soumis à la physique de Newton, mais à la tridimensionnalité des intuitions pures. Alors, il ne me reste plus qu'à conclure. Si l'on sait que Newton, Kant sont en réalité des sous-traitances métaphysiques, physiques de Galilée, on s'aperçoit qu'on pourrait dire d'une façon absolument claire et tranquille que la dentologie est soumise à un modèle galiléen.
et qu'en remettant en question le modèle galiléen dans les mathématiques, dans la physique et dans la déontologie, Florensky propose donc ce qu'on pourrait appeler un nouveau modèle, au sens de Kuhn, d'approche de la déontologie. Au fond, il a proposé, ce qu'on pourrait appeler dans le vocabulaire de Kuhn, une aporie fondatrice en créant ce défi. Maintenant, lisez d'une façon non euclidienne Dante, et vous obtiendrez un événement spirituel, pas simplement intellectuel, spirituel majeur. Ce qui est en dessous de la vitesse de la lumière peut s'écrire dans des espaces continus, et ce qui s'écrit au-delà de la vitesse de la lumière permet d'écrire d'autres intuitions-discours. Et Dante séjourne dans ces intuitions-discours post-lumineux, ou on pourrait dire paralumineux, dans une expérience spirituelle qui serait donc de la variation de la vitesse de la lumière. Il met au centre de son entreprise la nécessité de la discontinuité comme accès à la déontologie. Une vraie déontologie fait face à la question du discontinu. Alors évidemment, quand vous allez entrer à la SDI à Florence ou quand vous allez aller aux séances de la SDDF à Paris, vous ne verrez pas tout à fait ou régulièrement mise en œuvre des enjeux pareils, vous rendez bien compte. Mais vous qui aurez été ouvert à cet aspect, vous pourrez vous demander à chaque instant, est-ce que cet homme me parle d'une intuition discours? Est-ce que cet homme fait face la discontinuité du calcul infinitésimal? Et troisièmement, est-ce que cet homme ou cette femme qui parle est en mesure de penser sa Béatrice à partir de la vitesse de la lumière? S'il y parvient, ça sera un homme merveilleux. Voilà, je donne la parole à Thibault qui va finir ce que nous avons commencé ensemble. Pour faire écho à votre discours sur l'euclidien, en redessinant justement l'étude de Galilée sur la taille de l'enfer, il a commis une erreur en fait. Galilée ? Oui. Vous êtes excellent, mon ami. À force d'être trop littéral, on perd les pédales. Devant vous, je peux m'arrêter de bouger, mais le temps s'écoule. Et c'est vrai que c'est pas choquant, on est habitué à ça. On n'a pas de problème à être limité spatialement. On a des problèmes un peu plus psychologiques ou fondamentaux d'être limité dans le temps, c'est-à-dire la vie et la mort. Mais ce que essentiellement Florensky explique, c'est qu'en passant dans une autre région de l'espace-temps, dans cette région interdite par la physique, on peut tomber dans une autre phase où là, on va pouvoir parler d'immobilité temporelle, donc des essences éternelles, et curieusement, elles ont tendance à ne pas avoir d'expansion spatiale, c'est-à-dire non pas de... Et donc, on échange le temps et l'espace. C'est tout à fait mathématiquement possible. Au fond, après un bilan de mes lectures dantesques, je dirais que ce qui attache à Dante, ce qui en légitime le culte, c'est peut-être que sous ce nom réside tout ce qui a trait au pouvoir de la forme. Dire Dante, c'est reconnaître que cet événement qualitatif qu'est la forme a un pouvoir qui s'exerce sur des lecteurs, sur des savoirs et sur une vie tout entière. Non seulement, bien sûr, celle de Dante en tant qu'il nous la raconte, mais la nôtre en tant que nous lisons sans cesse dans l'horizon de ce culte, cette vie.
On pourrait dire que dans un horizon qui est celui d'une morphologie générale, les états qualitatifs de la matière, la déontologie est un chapitre. Avec cette particularité qu'on pourrait lui donner pour la qualifier, déontologie, c'est une morphologie amoureuse. Et selon, là encore, la visée de cet auteur dont je parlais à l'instant, donc René Thom, peut se nommer une sémiophysique. Par sémiophysique, on veut dire ici le fait que la sémiose s'effectue sur des espaces qualitatifs qui peuvent être nommés nature. Il y a, au fond, un effet de nature qui s'inscrit dans cette morphologie amoureuse. Et par nature, ici, on ne veut pas dire simplement une vie ou un processus téléologique. On veut dire un espace dans lequel viennent s'inscrire des singularités. On dira donc que la déontologie, c'est l'imposition d'un espace morphologique où viennent se présenter des singularités. Et ces singularités ont trait à l'amour. Ces singularités viennent donc s'inscrire dans l'espace déontologique comme des éléments discontinus qui viennent serrer l'espace continu de la morphologie. Alors, ces propositions sont très générales et peuvent faire un peu souffrir l'auditeur, mais on pourrait les simplifier en disant que la sémiophysique dantesque, ou la déontologie que je décris comme morphologie amoureuse, est tout simplement, au fond, une géométrie, mais une géométrie qui aurait à traiter des objets non pas quantitatifs, mais qualitatifs, et qui, en ce sens, vient décrire des formes qui apparaissent. Voilà, j'essaye de fonder une morphologie dantesque, et voilà mon entreprise. Donc, une forme, au fond, une déflagration initiale en tant que Béatrice et qui sert de matrice à un certain nombre d'événements qui vont s'enchaîner avec ce profil initial. De telle façon qu'on peut faire l'hypothèse que toute l'œuvre de Dante, pas seulement la Divine Comédie, bien sûr, mais toute l'œuvre, serait une suite de transformations de la forme initiale. Une sorte de process qui nous ferait passer du concept... Désolé, j'ai fait une tâche. Je suis vraiment désolé. Commençant donc par... cette forme initiale qui doit être au fond rythmée et feuilletée en métamorphose successive donne lieu à une cinématique des formes. Nous aurions la fondation d'une morphologie en tant qu'elle rend possible une cinématique des formes. Et toute position dans l'œuvre, qu'il s'agisse d'un sonnet libertin, ou qu'il s'agisse d'une vision béatifique, qu'il s'agisse d'un geste politique, qu'il s'agisse d'une remarque grammaticale, qu'il s'agisse d'une thèse théologique, tout cela peut être réunifié comme autant de successions, de développements, de mûrissements, on pourrait dire aussi, de la... forme initiale, de telle façon que toute l'œuvre d'Homme pourrait être pensée comme un arbre qui vient accroître par bifurcation de cette sème, de cette semence initiale qui est l'apparition de Béatrice à 9 ans, dans les conditions que tout le monde connaît ici. Ce qui fait que toute lecture de Dante, vous voyez, s'élève à une très grande généralité dans cet horizon épistémique que j'appelle la morphologie. Une lecture de Dante, ça serait procéder, parcourir une encyclopédie des apparitions, prise dans l'effeuillement universel de l'amour, ce que j'appelais l'arbre. Alors, évidemment, l'arbre et l'arbre renversé s'y sont mobilisés, bien sûr. Et j'ai beaucoup de chance parce que cette hypothèse qui peut-être vous apparaît lourde à porter et qui n'est que des trois premières lignes de l'œuvre, par œuvre, je veux dire l'œuvre totale, trouve
au moins deux justifications, peut-être trois, dans les dernières lignes de la Divina Commedia. Dans le thème du nœud, qui lie les substances et les accidents, ce nœud qui se décline en arrachant, pas tant page par page, mais cahier par cahier, ainsi squaderna, se déchire cahier par cahier, et qui, pages qui donc viennent à être libérées de toute attache, de tout lien, comme les feuilles de la Sibylle, pour être finalement fondues ensemble, mot toujours de Dante, en un ensemble indicible. Et ici, Dante, après avoir parlé du livre, du nœud, de ce que j'appellerais la squadernation ou la déclinaison, en vient à formuler le concept le plus adéquat à une morphologie générale, puisqu'il parle de la forma universale. Nous aurions donc affaire à une forma universale, nœud, et là nous retrouvons le thème du yoï courtois, nœud de toutes les jouissances. Ce qui fait que, si on admet cette façon de réordonner le corpus, depuis l'ouverture de la Vita Nuova jusque Paradis 33, 85, 96, nous avons le déploiement régulier de ce que d'ailleurs René Thom avait appelé lui-même une transcendance démembrée, c'est-à-dire un feuilletage d'une singularité féconde qui, en se déployant régulièrement, quoique par asymétrie, comme nous le verrons, produit l'ensemble des formes d'un monde, du monde de Dante, et peut-être, d'une façon plus complexe, de notre monde. Je vous encouragerai dans ces conditions à récolter les occurrences majeures du concept de forme dans sa dimension aristotélicienne, bien évidemment, dans ses variantes sémantiques qui la rapprochent du concept d'ombra, qui la rapproche du concept d'atto, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, prendre en charge les occurrences de forme pour en faire le nœud, précisément, d'une lecture ordonnée, intriquée, travaillée de l'œuvre. Vous le voyez que, par un peu de perversion, j'essaye de fonder cette morphologie amoureuse dantesque en évitant la question du sens, ou plutôt, je rabats toute question du sens, et donc du sens de l'œuvre de Dante, sur la question du pouvoir d'une forme. On dira donc que ce que signifie l'œuvre de Dante, c'est le pouvoir d'une forme. Ce qui ne veut pas dire que je peux donc traduire en un énoncé conceptuel fermé l'événement dont je cherche à tirer le sens. Je cherche plutôt à serrer ces métamorphoses. Au fond, c'est plus un problème à cet égard d'enchaînement des états que de fixation dans un concept. Nous dirons donc que nous sommes face à un déploiement universel et que ce déploiement universel, bien sûr, comme il le dit à propos de Violette, « è una forma più che umana », c'est-à-dire donc en 58.5, « forma più che umana », mais dans lequel, nous le savons depuis le début de la Vita Nuova, nous avons un rapport personnel qui s'appelle, qui se nomme « asemprare », ou selon les variantes « asemplare ». C'est-à-dire, nous produisons des effets de prélèvement exemplifiant de cette forme initiale, et écrire, penser, aimer, c'est « asemprare », des paragraphes plus ou moins visibles du livre fondamental dans lequel advient l'événement morphologique de Dante. On dira donc, lettre 3, paragraphe 2, que toute l'œuvre, en tant que transformation générale des états, procède des passione in passionem, dico, secundum eandem potentiam, et objecta diversa numero, sed non specie. Donc, toute transformation amoureuse se meut de passion en passion, c'est ce que j'affirme, selon la même et unique puissance, et selon des objets différents
quant à leur singularité ou quant à leur nombre, mais jamais quant à leur forme. Je dis, et ça c'est au fond une parole de fondation, s'il y a un séminaire dantesque, ce qu'on essaie de faire maintenant, s'il y a un séminaire dantesque, c'est pour ne pas faire obstacle à cette diffusion de la bonté d'une transcendance initiale. S'il y a un séminaire dantesque, c'est pour être face à cette totalité de la demande de la matière première. Et s'il y a un séminaire dantesque, c'est pour mettre en œuvre cette intégralité de la diffusion. Et la succession des objets, c'est-à-dire à la fois tous les états qu'on observe dans la Divine Comédie et dans l'intégralité de l'œuvre, mais aussi les séminaires qu'ils portent sur elle, en tant qu'ils sont aussi des feuilles de cette interprétation infinie dont tu parlais tout à l'heure, appartiennent à la totalité vivante de la diffusion intégrale dont je suis en train de traiter. Et nous avons donc comme charge de passer d'une morphologie statique à une cinématique des formes, et encore on peut le dire ainsi, une morphologie à une morphogenèse, et c'est cela que nous sommes appelés à privilégier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Dante n'est ni le Dante des sources et de l'histoire, ni le Dante porteur d'une conviction unificatrice, c'est le Dante en mouvement qui dépasse toute position finie, et refuse de se voir arrêter à aucune posture, de peur de paraître aux yeux des femmes, c'est-à-dire de les juger par excellence du démembrement, comme Orphée quand il est démembré par les femmes, toujours troppo fisso. Les formes, ayant une quantité de matière limitée à mettre en acte, sont en rivalité les unes avec les autres. Il y a comme condition de la succession des formes dans la joie et dans le deuil, le conflit qui constitue l'antagonisme créateur de la création. La création existe parce que les formes sont un conflit et que c'est ce conflit qui permet aux expériences successives de s'engendrer. Et moi, je ne veux plus retourner de ma guerre. Un seul pas en arrière, je ne veux revenir. Et si le martyr est douceur, on retrouve la douceur ici, bien sûr, la mort doit dépasser toute autre forme de douceur. Voilà donc une caractérisation de cette morphogenèse de l'amour. Elle sculpte l'objet qui lui résiste et deuxièmement, elle ne favorise aucun pas en arrière, elle tient une guerre frontale et cette guerre ne connaît qu'un accomplissement qui serait encore plus décisif que la guerre, c'est la mort. Mais nous savons que la mort est immortelle chez Dante, mourir c'est entrer dans les autres registres de conflit des formes non plus sous le soleil, mais confie des formes sous la terre, confie des formes de l'outre-tombe. On dira donc que la dantologie mûrie pourrait être l'inscription d'une permanente effraction de l'immobile, permanente effraction de l'immobile. Tu vois, j'ai un peu corrigé ma non-conformité, je lui donne, parce que la non-conformité c'était un geste encore formel, je lui donne maintenant une dynamique, une énergétique et un mythe, c'est-à-dire la composition de la joie et de la mort. Et donc, une effraction de l'immobile qui justifie toutes les audaces de Dante, toutes les transgressions de Dante, si vous voulez, et le style même de sa perfection. Alors, on peut conclure dans ce perspective en disant que dans le livre de Dante, je vous rappelle que tous ces événements ne sont pas dans la réalité, ne sont pas non plus dans le rêve, hein, ce n'est pas du tout savoir si c'est un rêve ou si c'est plutôt une prophétie, enfin, tous les grands arguments de Foscolo. J'implique l'ensemble, à cet égard, c'est un geste assez mal armé, hein, vous le comprenez, j'implique l'ensemble de l'événementialité Dante à l'intérieur d'un livre. Donc dans ce livre se compose une série ordonnée de contradictions qui sont autant de mouvements, de conflits entre les formes, rythmés par la terre de Salim, hein, qui est la structure
de l'identité et de la différence. Quand Hegel définit l'absolu comme l'identité de l'identité de la différence, il me semble que c'est quasiment littéralement la définition de la Terza Rima dans son schéma de retour. Et donc, j'ajouterai en disant que si l'on veut trouver une géométrie qui soit à la mesure de cette puissance de rupture et cette puissance de frapper de discontinuité le continu initial du livre, eh bien certainement cette géométrie existe, et cette géométrie c'est la quadrature du cercle. Il me semble que l'ensemble de ce que je suis en train de vous rapporter, cet effeuillement en même temps que cette recomposition dans le continu du livre, c'est exactement un problème d'arc et de droite, et que c'est cela que nous rencontrerons dans les derniers vers du paradis. Alors si je vais un peu plus loin dans cette ligne, je dirais que cela donne une très grande légitimité, un très grand pouvoir, un très grand rayonnement au langage humain. Parce que, nous sommes absolument d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, si le langage humain n'appartient pas aux anges, c'est que les anges voient en Dieu, dans le miroir divin, immédiatement les conceptions qui sont celles de leurs voisins, tandis que nous, nous ne pouvons parler que si nous formons la dénucléation de nos conceptions à autrui. C'est ce qu'on fait dans ce séminaire. Nous sommes des dénucléants ou des énucléants. Et énucléer, c'est justement, nous proposons... Il n'y a pas de langue qui ne soit effraction, puisque précisément, parler, c'est énucléer. C'est donc arracher le noyau à sa pulpe. C'est retirer, bien sûr, le voile, et c'est ouvrir le mystère le plus intérieur des choses. Je dirais donc que pouvoir des fractions de la dynamique générale du monde se trouve assemblato, repris par la structure du langage dans ce qu'il a de plus radical, c'est-à-dire la dénucléation. Et je voudrais ici prendre au sérieux un passage qui met en évidence ce pouvoir à la fois de mimésis et d'extériorisation propre au langage. Je le vois dans le De Vulgari 1.5.2 quand il dit Dieu discerne un omnia sine verbis arcana nostra. Déjà, une phrase d'un poids énorme. Hein. Dieu discerne sans mots toutes nos pensées intérieures. Simplement, il n'a pas dit pensées intérieures, ce n'est pas un augustinien simple, il a dit arcana. Qu'est-ce que veut dire arcana? Dans quelle boîte-là hein, les pensées sont-elles cachées? Et quelle dénucléation faut-il faire à l'arcane de notre âme? Et il ajoute, il a voulu Dieu que nous parlions, c'est-à-dire que nous désarticulions des effractions. Effractions, je le tire de dénucléation, comme vous avez compris. Ut inexplicatione tante dotis, de telle façon que, là le mot extraordinaire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive à écrire une langue morte comme le latin, avec une puissance d'expressivité qui est égale à ce qu'il tire du vulgaire, c'est tout à fait incroyable. Dans ce déploiement, ça c'est ce que traduit Pézard, on peut traduire dans ce dépliement, dans ce déferlement, on pourrait s'y traduire, dans ce déferlement d'un tel don, la langue, soit glorifié celui qui l'avait donné gratuitement, c'est-à-dire que Dieu jouit du fait que nous dénucléarisations, c'est un peu politique mon propos, de cette, en tout cas, cette sortie du langage de lui-même, et ce pouvoir d'effraction propre à la langue, Dieu en jouit parce qu'il reconnaît que c'est la mise en place la plus glorieuse qui soit de son don. Ce qui fait que on pourra dire que l'œuvre entière est livrée à la Battaglia dei Debili Cili, c'est une des plus extraordinaires images de Dante, car quand la lumière frappe trop fort la pupille, la paupière du haut et la paupière du bas se rabattent, comme ça. Or, c'est exactement le mouvement des lances au front des soldats qui s'opposent dans la ligne de bataille. Donc, la bataille des Debili Cili, c'est vraiment à la fois l'éblouissement fondamental et la mise en place de formes rivales qui viennent à lutter l'une contre l'autre. C'est une lecture guerrière de notre œil lui-même, hein, d'où la nécessité d'ailleurs de travailler en termes d'effraction sur l'œil de Dante. Et, comme il ajoute, « Come a raggio di sol qui pur mei per fratanube,
comme pour un rayon de soleil hein, qui, dans sa pureté, vient à filtrer à travers un nuage rompu, voici qu'il assiste à più turbe di splendori, fulgorate di suda ragione ardenti, senza vedere principio di fulgori. Hein. Que jaillisse un tourbillon de splendeur, fulminé à partir de rayons de feu, sans qu'on puisse discerner le principe du foudroiement. Des textes qui sont insensés et qui sont donc le mode de la beauté de Béatrice quand elle entre dans la bataille des pauvres cils, quand elle entre dans la bataille des yeux, et qu'elle figure donc le sommet de cette énergétique qui est tellement intense, hein, une sorte de centrale nucléaire en un certain sens, un feu primordial en tout cas, qui vient à tellement brûler qu'on n'en voit même plus le centre dans la fulguration de ses effets secondaires. Mais, comme vous l'avez compris, hein, il n'y a pas un thème de la pensée de Dante. Il n'y a pas un vers de l'énoncé de Dante. Je dis même, il n'y a pas une syllabe. Et mieux, si je reviens à A-E-I-O-U, il n'y a pas une lettre de Dante qui n'entre dans cette bataille morphodynamique que je vous décris. C'est-à-dire que lire Dante, c'est être en mesure de restituer les plans de sémiose que porte chacun de ces états de forme dans la nature universelle. Cette poétique de l'effraction ne conduit pas à la mise en scène, au fond, d'un chaos généralisé, un chaos de sensations et d'informations, mais au contraire, cette poétique de l'effraction crée des zones de sens susceptibles de stabilité. Si en somme nos vies semblent des lignes brisées, il existe, et voilà ce que nous dit le livre de Dante, un fond divin, ou simplement étendu, mais au fond qu'importe la différence ici entre Dieu et l'espace, un fond divin ou simplement étendu sur lequel ces ruptures de symétrie finissent par se composer en un ordre et une totalité articulée. Être dantologue, ce à quoi nous sommes tous appelés, c'est vérifier au cœur d'une succession de malheurs extrêmes l'exil et la mort de l'amante, et dans une langue capable de réunir toutes les contradictions de la culture et en particulier la culture païenne et chrétienne. Donc essayer une puissance de réconciliation et de circulation. Et au fond, que cette puissance soit romaine, païenne, chrétienne, hérétique ou finalement réconciliatrice, ces continuités sont essayées, mises à l'épreuve jusqu'au bord de la rupture. Elles se tissent au-delà des intentions des sujets finis et des prévisions qui les affectent. Notre dessin se recompose à coups d'effractions successives, et celles-ci, ces effractions, se retrouvent comme autant de singularités prises dans des nappes sous-jacentes, ce que j'ai nommé le fatum, le fas, qu'on aurait pu nommer aussi le noumen, qui les organise par attraction, enveloppement, en composant sans cesse l'arc et la droite. Pouvoir de la géométrie, centralité de la quadrature du cercle, mais aussi toute puissance de l'alta fantasia qui se met au travail sur les géométries ultimes, voilà les voies du salut dantesque, de l'intelligence et du cœur. Spinoza, qui me fait ici de citer, nommerait aisément « science intuitive des singularités » cette intellection du discontinu sur le fond du continu, et y fondrait la joie. Cette joie qui, même chez Spinoza, reste héritière du yo-yo des troubadours. Le démembrement sibyllin de la transcendance n'est pas seulement un geste sacrificiel qui nous mettrait dans la ligne du Veda, et des travaux qui ont été faits sur la parole et le sacrifice. C'est plus que cela, c'est l'établissement d'un plan, j'ai appelé ça tout à l'heure la nappe de notre fatum, depuis lequel l'immortalité, et ici bien sûr je salue Spinoza, n'est pas une prétention excessive pour les entreprises humaines. Voici ce que j'avais à vous dire.